Aujourd'hui, je voulais vous parler de la toute nouvelle tablette pour CarPlay, pour Android Auto. En fait, c'est une tablette de chez Carpuride. On va parler de la 701 Plus. Alors, qu'est-ce qu'elle a en plus? Elle va tourner sous Android 12. Elle a de la reconnaissance vocale. Vous allez pouvoir utiliser Siri, Google Assistant. Vous allez pouvoir télécharger vos meilleures applications. Vous allez avoir accès à CarPlay, Android Auto, si vous n'avez pas un véhicule adapté. On va tout de suite la déballer ensemble et voir ensemble ses caractéristiques. Allez, c'est parti pour le déballage. On est sur une tablette de 7 pouces qui va se connecter sur vos iPhones, qui va se connecter sur vos smartphones Android. Lorsqu'on ouvre, vous pouvez voir, on est sur une tablette tactile de 7 pouces. On enlève les plastiques qui sont sur le devant. On va continuer le déballage. On va retrouver un support avec sa ventouse. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, on peut tout de suite mettre derrière notre Carpuride ce support qui est très simple à mettre. Il y a 4 crochets. Vous le mettez et vous pouvez instantanément profiter de votre Carpuride. C'est très simple, très rapide à mettre en place. On va retrouver donc une connectique, l'allume-cigare, tout simplement avec la connectique propriétaire pour alimenter le Carpuride. On retrouvera un petit câble jack vers jack si vous voulez donc connecter le Carpuride directement sur vos haut-parleurs dans la voiture. Des petits éléments supplémentaires si vous voulez par exemple mettre votre Carpuride directement sur les ailettes de la ventilation. Vous allez pouvoir directement via une plaque double face le coller sur votre tableau de bord. On retrouvera bien sûr la notice et cette notice sera bien entendu en français. Voilà pour le déballage du Carpuride 701 Plus. On va maintenant le mettre en place dans un véhicule et je vous montre comment cela fonctionne puisque cet appareil est complètement autonome, tactile. Vous pouvez, comme vous pouvez voir ici, le diriger comme vous voulez. Ça se met dans tous les sens, c'est vraiment top. Je vous montre comment adapter votre voiture avec cette tablette portable intelligente Android 12. Allez, c'est parti. Allez, on est sur le premier démarrage de notre Carpuride 701 Plus. Tout simplement, on le connecte à l'allume-cigare. On voit apparaître ce premier écran. Ensuite, on arrive sur le deuxième écran où on va pouvoir connecter le smartphone. C'est parti. Vous pouvez le diriger comme vous voulez. L'installation se fera tout juste en quelques minutes, montre en main. Voici les premiers écrans de démarrage. Il se met en route directement. Et comme vous pouvez voir, instantanément, il se met sur son écran d'accueil. Donc c'est un appareil complètement tactile que vous allez pouvoir gérer aussi à la voix tout simplement. Mais attention, cette tablette intelligente n'est pas vocalisée. Elle possède bien Android 12, mais vous n'aurez pas Talkback dessus malheureusement. Vous allez pouvoir connecter votre iPhone ou votre smartphone sur Android. Et dès que vous allez allumer votre véhicule, eh bien, comme ici par exemple, si j'éteins le véhicule, la tablette s'éteint. Donc sur un tableau de bord, ça fait vraiment très sympa. Vous aurez donc accès aux différents GPS tels que Maps, tels que Waze. Vous aurez accès à YouTube. Vous allez pouvoir écouter vos livres audio, de la musique directement sur vos haut-parleurs de votre véhicule. Comme vous pouvez voir, on a accès aux différentes applications qui sont sur le smartphone. Et je vous montre tout de suite comment d'ailleurs jumeler cette tablette à votre iPhone ou à votre Android. Donc pour connecter la tablette, le Carpuride 701 Plus, tout simplement vous allez soit dans CarPlay, donc dans réglages général et dans CarPlay dans votre iPhone ou sur un smartphone Android, vous vous rendez dans Bluetooth et le Carpuride va s'afficher automatiquement. Appareil disponible, Carpuride 2059, 1 sur 2. On voit donc apparaître le Carpuride 259 et regardez quand je vais valider. Généralement 0000 ou 123, français, FR, AZERTY affiché. Développer la barre d'outils. Demande d'appairage Bluetooth. Modification en cours. On vous demande un code PIN. Vous tapez donc 4x0 pour valider le code PIN. C'est parti. Lorsque vous allez associer. Clavier. Bluetooth. Affiché. En cours d'exécution. Appuyez pour ouvrir. Maintenant, vous allez pouvoir profiter de votre musique, de vos livres audio directement sur les haut-parleurs de votre véhicule à partir de votre smartphone. Ça, c'est vraiment super cool. Voilà, donc le Carpuride 701 Plus est vraiment très simple à installer, très rapide, comme vous avez pu le voir. Vous allez dans Android Auto ou dans CarPlay et c'est parti. Vous le jumelez à votre véhicule et si vous n'êtes pas équipé,
Eh bien, tout simplement, en quelques minutes, vous allez avoir un écran connecté dans votre véhicule. Et tout ceci pour vraiment pas très cher. On est sur un produit de moins de 200 euros. Avoir accès à tous les GPS possibles, plan, Waze, Maps, en fait, les GPS que vous utilisez au quotidien. Si vous utilisez déjà ce genre d'appareil dans votre véhicule. Grâce à ce système, vous allez pouvoir devenir donc le copilote. Vous allez Siri, comment aller à Paris ? Je calcule l'itinéraire vers Paris. Une fois que le CarPuride est connecté à CarPlay ou Android Auto, vous avez l'intégralité de la gestion du GPS, c'est-à-dire plan Android, en fait Auto prendra en compte Waze, Maps, etc. Franchement, c'est top. Dès que vous donnez un ordre vocal, exécute et vous écoute, vous donnera la météo, vous donnera les stations-service, etc., etc. Franchement, c'est super top. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette tablette de 7 pouces, compatible dans n'importe quel véhicule, que vous ayez une voiture, que vous ayez un utilitaire, eh bien le CarPuride est fait pour vous si vous voyagez souvent. En tout cas, c'est vraiment le top. Je vous mettrai tous les liens en description, je vous mettrai un code de 30% de réduction. Merci à vous, prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne Vision E-Tech. Salut à tous!